Salut tout le monde, c'est Madame Sans Tête, c'est moi qui présente parce que Laguna est partie faire un devoir. Et aujourd'hui, le Monster H va vous présenter son dessin Monster High. Donc c'est sa première vidéo qui parle de dessin parce que sa chaîne ne parle pas que de Monster High mais aussi ses dessins qu'elle fait. Donc voilà. Donc salut, moi je vais faire préparer les tests. Bon bref, comme Madame Santette vous a expliqué, c'est mon première vidéo de dessin Monster High. Enfin, je fais pas aussi que des dessins Monster High, mais bon voilà. Donc, je vous présente. Alors, si le dessin est nul, parce que j'ai fait ça dans la voiture, et voilà. Alors, c'est la fille du diable. Alors, je sais pas si vous voyez, la fille du diable, je pense que vous devez rien voir. La fille du diable, bref, elle s'appelle Diana. J'ai pas encore trouvé d'idée. Elle a 16 ans et j'ai pas encore trouvé d'idée de nom de famille. Donc, si vous pouvez envoyer en commentaire, et voici son petit animal et son animal. Voilà. Donc maintenant je vous montre Diana. Je vous fais la revue de mon dessin. Alors, là elle est. Alors, juste deux secondes. Là elle a les cheveux bouclés avec une mèche rousse. Voilà, là elle a des yeux magnifiques, je trouve. Non, je rigole. J'aime bien juste la couleur que j'ai faite des yeux. Ça fait un peu orange et tout. Ensuite, là, elle a une cravate vu que c'est une écolière, une pomme Franti. Donc, elle est un peu rouge, noir, un peu mélange de ça. Ensuite, là, elle a un t-shirt, comme ça. Et là, elle a. En fait, ça fait un peu comme Dracula, le t-shirt. Mais c'est rouge aussi. Là, elle a des manches coupées, blanches. Là, ça fait un peu comme Goulia. Vous voyez, elle a des gants en résine. Et pareil, là, de l'autre côté ici. Là, elle a une ceinture. En fait, là, elle a la jupe qui est ici. Elle n'est pas accrochée à ça. C'est pas une. Voilà, c'est pas accroché. Donc, du coup, j'ai mis une ceinture pour montrer. Là, elle a comme Cléo. Vous voyez, pour ranger son œil cercueil. Petite pochette. Et là, c'est sa queue. Ah oui. Là, c'est ses oreilles de diable. Désolée pour vrai que je viens de faire. J'ai fait tout en plus. C'est déjà un truc. Bon bref, on s'en fout. Là, elle a des collants résine aussi. Comme ça. Et là, elle a sa chaussure. Comme ça, qui est rouge et noire. Donc, voilà, maintenant je vous explique en fait son pouvoir. En gros, quand elle pique des gens. Avec sa queue là. Ah oui, là aussi elle a son machin là. Bon bref, on s'en fout. Quand elle pique des gens. Donc, voilà, je vous montre en gros qu'est-ce que ça donne. Quand elle pique des gens avec sa queue. Là. Et ben, c'est. Et ben. Les gens ils peuvent devenir des diables. Sauf quand c'est ses amis. Parce qu'en fait, Diana est une fille très gentille. Parce que elle est fille d'un diable qui s'appelle Piqué. Et d'une humaine. Alors je sais pas si c'est vraiment. Enfin, moi j'ai pas regardé sur internet en gros. Hein, voilà. Si en Monster High la fille du diable existe. Donc voilà. Donc. Quand elle pique des gens. Voilà, quand c'est ses amis. Ça va rien faire. Vu qu'elle est en même temps la fille d'une humaine, cette humaine elle était très gentille. Donc, du coup, des fois Diana elle est gentille. Puis des fois, quand elle a des personnes qu'elle aime pas, bah elle les pique. Bon bah, c'est bon, j'ai pu faire mes cours. Au revoir, salut les doules et abonnez-vous à la chaîne de Lolo Monster H. Bisous!